Le départ est donné pour Lola Bertrand qui nous présente Alchimie de Suzanne. Et c'est un parcours pour Gabriel sans faute en 35,14. Et c'est un parcours pour Lola qui est allée très vite, sans faute en 28,17, qui lui permet de prendre la première place au classement provisoire. J'informe les propriétaires de chevaux qu'il y a un cheval en liberté autour du rond de longe. Je vous remercie de bien vouloir aller vérifier pour aller récupérer le cheval en question. Et vous l'avez compris, le départ a été donné pour Lucia Janus qui nous présente Irina d'Avril pour les écuries de Julien Beau. Le départ a été donné pour Lola Bertrand qui nous présente Alchimie de Suzanne pour les écuries d'Hypothèse. Et pour Elysia, c'est un parcours qui s'est terminé sans faute en 34,90. C'est un parcours qui s'est
terminé sans faute, qui est allé très vite en 27,98. C'est la première place au classement provisoire. Gandalf de la Sorre pour les écuries hippotiques. Et pour Manon, c'est un parcours qui s'est terminé sans faute en 28-42. C'est la deuxième place au classement provisoire. Candidate de cette épreuve, Candice Durand, qui nous présente Hirondelle de Bernou pour les écuries hippotiques. Et pour Zoé, c'est un parcours sans faute en 31,45. Est donné pour Léna Moulis qui nous présente Volupte de Moulin pour les écuries hippotiques. Et pour Anne, c'est allé très très vite. C'est un parcours sans faute en 31. C'est la première place au classement provisoire. Thank you.
Qui nous présente Gary Dirina pour les écuries d'hypothèse. Thank you.
nous entamons cette épreuve Poney 1 Grand Prix avec notre première cavalière Rebecca Maud qui nous présente Djebel de Loge pour les écuries Boudise. Est donné pour Lola Bertrand qui nous présente Alchimie de Suzanne pour les écuries Boudise. Et pour Prune, c'est un parcours sans fin qui s'est terminé en 29,79. Donné pour Candice Durand qui nous présente Hirondelle de Pernou, toujours pour les écuries d'hypothèse. Et pour Lola, c'est un parcours qui s'est terminé avec 16,2902. Pour les écuries Boudise.
Et pour Zoé, c'est un parcours qui s'est terminé avec 6 points, 50,86. Pour Léna Moulis qui nous présente Volupté de Moulin des Écuries et Cotises. Et pour Elisa, c'est un parcours qui se termine avec 4 points en 31,15. Donné pour Lola Gousselot qui nous présente Carré d'Irina pour les écuries d'Hypophyse pour cette épreuve Poney Elite C Grand Prix. Est donné à Jonathan Baraille qui nous présente Erwan, Claret Héros pour les écuries d'Hypophyse toujours.
départ est donné pour Rebecca Maude qui nous présente Jonathan Baraï, qui nous présente Djebel Debloed. Pour les écuries écoutives. Est donné pour Prune Soares qui nous présente Atlas de Civré pour les écuries boutiques. Et pour Rebecca, c'est un parcours qui s'est terminé avec 13.49.19. Allez, le départ est donné pour ce cavalier qui nous présente Eva Tile. Donc nous avons Erwan, Clarit, Hero pour les écuries Hypothèse. Ce sera le seul cavalier de cette épreuve à espionner de ses grands prix.
shaking asses. All the girls want backstage passes with the stick, shaking asses. All the girls want backstage passes with the stick, shaking asses. All the girls want backstage passes with the stick and shaking asses. All the girls want backstage passes with the stick and shaking asses. All the girls want backstage passes with the stick and shaking asses. All the girls want backstage passes with the stick and shaking asses. All the girls want backstage passes. Le départ est donné pour Prune Suarez qui nous présente Elmis dans cette épreuve AS Poney 2 Grand Prix. Est donné pour Prune Suarez qui nous présente Elmis Dorval pour Hypothèse. Et pour Mathis, c'est un parcours qui s'est terminé avec 8 points 51-57. Thank you.
Oh, Hervé, un mètre dix avec son poney dressé. On peut applaudir Erwan, Claré, Héro et Evartil. Ouais, voilà, ça. Il y a trois motissiers, il y avait une certaine taille aussi. Vous êtes trop petits. Pour la photo, bravo, on peut l'applaudir. Très bien.